Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. En dessous, c'est de tous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons vous informer sur un truc que la plupart des chrétiens ne savent pas. Ah, qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs? Nous allons vous le dire. La plupart des chrétiens ignorent des choses sur les sorciers. Où ils se disent que les sorciers ont des limites, ou sont limités dans la mesure où ils n'attaquent uniquement ceux qui sont leurs parents. Ils disent, les sorciers attaquent uniquement ses parents seulement, ils n'attaquent pas d'autres personnes. Et c'est ce que les chrétiens disent, les sorciers ne travaillent pas à midi. Ils travaillent uniquement que la nuit, à minuit. Et c'est là seulement qu'ils attaquent. Donc, à midi, on peut s'amuser. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire que vous ignorez vraiment beaucoup de choses sur les esprits impurs ou encore les sorciers. On dit pour bien combattre nos ennemis, pour bien combattre son ennemi, il faut vraiment le découvrir. Parce que si vous ne savez pas qui il est, ce serait vraiment difficile pour vous de le combattre. Et les gens se disent que les sorciers dorment. Cette vidéo n'est pas venue pour élever les sorciers. Cette vidéo est venue pour vous dire, mes frères et sœurs, levez-vous dans la prière aujourd'hui et cessez de faiblir. Beaucoup de personnes ont cessé de prier, même en ce moment, je vous parle. C'est le moment de vous réveiller et de reprendre vos activités. Pour commencer, ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, c'est qu'un sorcier, c'est une personne. Une personne qui a livré son esprit à Satan. Et cette personne-là est investie de la puissance de Satan, c'est-à-dire un démon qui est dans lui-même. Et c'est ce démon-là qui lui permet de se conduire de façon bizarre et qui lui donne même son pouvoir. C'est-à-dire que pour augmenter son pouvoir, ce dernier a besoin impérativement de faire de grands sacrifices et d'avoir d'autres démons. Et le sorcier est une personne qui a été même préparé pour offrir régulièrement des sacrifices à Satan. Un sorcier, il peut attaquer. C'est vrai qu'il attaque les membres de sa famille la plupart du temps. C'est vrai qu'il livre des informations sur sa famille au monde des ténèbres. Même qu'il arrive qu'il lui fasse des sacrifices humains dans sa famille. Mais ce qui est sûr, c'est que vous, il peut vous attaquer aussi, même si vous n'êtes pas membre de sa famille. On dit, laisse tomber, ils attaquent seulement les membres de sa famille, attaque pas. Mon frère, faut pas te fatiguer. Un sorcier, c'est un sorcier. Et un sorcier, il attaque n'importe qui. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre sur la terre. Le diable n'a pas le temps. Il ne va pas même regarder au fait que vous n'êtes pas membre de sa famille. Il va t'attaquer toi. Est-ce que quand un président vient au pouvoir là, est-ce qu'il veut pouvoir parce qu'il est membre de votre famille forcément? Il veut pouvoir tout simplement parce qu'il a été choisi pour le travail. Et c'est la nation qui l'a choisi, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Le sorcier, lui, là, il a été choisi par le diable pour faire du mal aux gens. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et ça, tout le monde va faire du mal. Et c'est là que les chrétiens ne savent rien. Ils vont se mettre à tomber pour dire, les sorciers n'attaquent pas à midi. Le sorcier attaque même à 6h du matin. Il attaque 24h sur 24. Les démons travaillent. Parce qu'en fait, le sorcier n'est rien, c'est un démon. C'est le démon qui est en lui, qui est tout simplement en train de travailler ainsi. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est le démon qui est en lui là, qui se met tout simplement à faire de ces choses bizarres. Et vous vous étonnez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il y a? Et le sorcier, il a cette possibilité-là d'écouter tout ce que vous dites à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous êtes là assis tranquillement, et puis tu es là, vous êtes là en train d'avoir des pensées bizarres. Le gars, il est là, il est chrétien, il est assis dans l'église et il est là, il dit,
La soeur que de la croix, là, vraiment, elle est jolie, hein. Si elle pouvait être ma femme même, ce serait bien. Ah! Et il est là, il pense que personne ne l'entend. Je dois vous dire que les sorciers ont ce pouvoir-là d'écouter ça, d'entendre tout ce que vous dites dans le cœur aussi. Tout ce que vous tramez dans la pensée, surtout quand vous êtes dans la prison de la sorcellerie, là même c'est grave. Parce que les sorciers, ils cherchent à contrôler les gens. Ils cherchent à emprisonner les gens dans le monde ou encore dans la prison de la sorcellerie. Donc vous comprenez qu'il y a décidément beaucoup de choses que vous ignorez sur vos ennemis. Et un sorcier, quand il se trouve dans une famille, vous lui demandez d'installer la caméra de surveillance dans la famille. Ça veut dire que toi, mon frère qui regarde cette vidéo, il est fort probable que dans ta famille, il y ait un sorcier. Si tu ne sais pas, ce sorcier-là a déjà installé une caméra dans la famille qui te surveille. Mais cette caméra-là est spirituelle. Et cette caméra lui permet d'observer tous tes faits et gestes, tous tes mouvements. Parce qu'il veut bien te contrôler, bien te connaître, bien te découvrir pour bien te combattre. Si toi tu ne cherches pas à savoir qui est le diable, lui il cherche à savoir qui tu es. Il s'approche même de toi. Il te salue même, bonjour. Il t'attaque la nuit, il vient te saluer le matin. Bonjour, ça va, t'as bien dormi? Est-ce que tu es sûr que tout va bien chez toi? C'est ce qu'ils font les sorciers, nous allons vous dire. Nous allons vous dire. Ah, c'est la réalité mes frères et sœurs. Si on ne vous en parle pas, vous allez dire qu'on vous a jamais en parlé. Ces choses sont réelles. Et un sorcier peut vous visiter la nuit, par exemple. Il vient vous attaquer la nuit. S'il sait que vous êtes un vrai chrétien, que vous priez, quand il va échouer là, physiquement, vous allez voir le matin, il va s'approcher de vous et chercher à savoir mais pourquoi il a échoué. Ou bien chercher à savoir mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Et toutes ces choses se déroulent là, hein, dans la vie des chrétiens. Et la plupart des chrétiens se disent, oh non, je ne sais pas tellement, on ne sait pas tellement même pourquoi Dieu n'exauce plus nos prières. Ah, depuis un moment, Dieu n'exauce plus nos prières. Mon frère, nous allons te dire, Dieu te protège. Il attend seulement son temps pour te bénir. Il attend seulement son temps pour t'accorder la chose que tu demandes. Sinon, il te protège efficacement. Il te protège vraiment très bien. Et le sorcier, lui, le sait. Toi, tu cherches à grandir matériellement. Le sorcier, lui, cherche à grandir spirituellement afin de dominer le côté physique. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu recherches? Mes frères et sœurs, soyons vraiment prudents. Et un sorcier, il est différent du sataniste, même si les deux ont le même maître. Le sataniste, lui, il travaille aussi de son côté. Pendant que le sorcier, lui, il empêche les gens d'évoluer dans toutes les dimensions, le sataniste, lui, son rôle sera aussi d'empêcher les gens d'évoluer dans toutes les dimensions, mais aussi de faire beaucoup de sacrifices, de crimes. Et ce sont des gens, des personnes qui cherchent à occuper le poste le plus élevé de notre société afin de nous diriger et afin d'imposer des lois bizarres et que tout le monde puisse les accepter et soit soumis à de telles lois. Ça, ce sont des choses que beaucoup de personnes ignorent. Pendant que vous êtes chrétien et que vous êtes endormi, les sorciers, les satanistes, eux, ils sont en train de travailler en ce moment-là pour préparer même la venue de Jésus. Le diable prépare déjà le retour de Jésus. Lui-même, il attend ça. Il y a une armée. Ça, ce sont les choses que les chrétiens ignorent la plupart du temps. Les chrétiens ne veulent pas se préparer au retour de Jésus-Christ. Oh, Jésus revient. Le diable, il est là, il vous ment. Il vous dit, oh, Jésus ne revient pas. Il s'est fou, il va plus revenir. Il est mort il y a longtemps. Maintenant, lui-même, il se prépare au retour de Jésus-Christ. Vous qui êtes chrétien, qui êtes endormi là, vous n'allez pas vous préparer. Vous allez passer votre temps à faire des choses bizarres dans l'église. Vous allez commencer à vous chercher en vous là-bas. Les gens se cherchent dans la cour, ils couchent avec eux en désordre. Dans le groupe musical à l'église. Alors Jésus revient. Les gens s'en foutent du péché. Ils disent, oh, nous sommes dans la cour, même en train de chanter Jésus, mais on ne croit pas en fait. Pendant que toi tu ne crois pas sérieusement à cette histoire-là, Dieu lui, ou le diable lui, il sait.
Il le croit fermement. Même le sorcier sait que Jésus est Seigneur. Le sorcier sait, la, sait que il connaît, le sataniste connaît la puissance qu'a Dieu. Et il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu est réel. Et il a la crainte même de Dieu, mais plus que nous. Pendant que les chrétiens sont en train de dormir. Et les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas se renseigner. Ils sont dans l'ignorance. Ils ne veulent pas chercher à savoir réellement ce qui se passe. Chaque année a un tempérament. Hein? Chaque jour a son style. Et quand vous dormez la nuit, là, eux, les sorciers, ils vont directement dans le monde des ténèbres là-bas. À entretenir des réunions avec le diable et recevoir des instructions pour la journée. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Nous avons le dit. C'est exactement ça. Le saviez-vous? Mon frère, ça veut dire que toi-même, la nuit, là, tu es un vrai chrétien, tu es un chrétien. La nuit, tu es lourd comme ça, tu ne peux même pas prier. Avant de t'endormir, tu ne pries même pas. Avant de t'endormir, tu ne pries même pas. Tu t'endors. Oh, le sorcier, lui, il t'observe. Et 24 heures sur 24. Vous savez ce qu'on a dit là-bas? Dans le monde des ténèbres, là-bas, on leur dit qu'eux vont se reposer uniquement que lorsque Jésus serait venu. Ou encore lorsque ce serait la fin. Tu n'entends que ce n'est pas encore fini, le combat continue. Et le sorcier, il veut vraiment combattre les chrétiens. Et quand ils arrivent à faire tomber un vrai chrétien, le diable leur récompense fortement, il leur donne beaucoup d'argent. C'est pourquoi les sorciers, les satanistes, ils travaillent fortement contre l'église aujourd'hui. Ils travaillent fortement contre les vrais chrétiens. Et voici ce qu'ils se disent. Ils se disent qu'on doit les affaiblir dans la foi. On doit les affaiblir dans la foi. On doit faire en sorte qu'ils ne puissent plus croire fermement à la parole de Dieu ou encore à ce que Dieu a dit. On doit les faire croire que ceux qui sont en train de lire à la parole de Dieu comme dans la Bible. On doit leur faire croire que c'est faux, que ça n'agit pas. C'est à ce moment, ils vont venir vous combattre même physiquement. Le sorcier va venir vous combattre physiquement pour vous dire « Oh, t'es là, tu pries depuis longtemps, qu'est-ce que tu as ?» Le sorcier, là, il parle beaucoup et il parle dans le sens de vous démoraliser, de vous affaiblir spirituellement parlant. Rien que par ses paroles, c'est le diable qui parle en lui, c'est le démon qui est en lui là, qui est tout simplement en train de parler ainsi. Et c'est ce qu'il fait. C'est à ce moment-là, toi, tu es un chrétien, tu es un vrai chrétien qui est dans une famille. C'est à ce moment-là, tu vas voir que les gens vont commencer à te combattre verbalement. Même t'insulter, ça peut même un combat physique, mais ne réagis pas. Quand on combat par des paroles vaines comme ça, les gens te disent que toi, tu pries depuis le temps que tu as eu. Toi, il faut faire attention. Toi, il faut vraiment faire attention. Et il faut te dire qu'il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et tu ne peux pas savoir, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que la personne est sorcière. Mais par son comportement, toi, tu sauras qu'il y a la sorcellerie ici. Il y a quelqu'un qui est sorcier, ou bien il y a une personne sorcière qui est en train d'opérer. Nous allons te dire, mon frère, nous allons te dire, ma soeur, si tu ne crois pas même à la sorcellerie, il y a des gens qui sont des chrétiens qui ne croient pas au fait même que le diable existe. Il est chrétien, lui il ne croit pas au fait que le diable existe. Lui-même ne sait même pas que Jésus revient. Il ne croit même pas au Seigneur Jésus-Christ. Lui-même va à l'église même pour la forme. Ça on l'appelle les chrétiens plaisantins. Tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Si toi, tu ignores qui est ton Dieu, les sorciers ou le diable, lui-même les satanistes, savent qui il est. Mieux que toi, ils connaissent ta puissance. Ils connaissent la puissance de Dieu. Quand tu pries timidement comme ça, Seigneur Jésus, tu es joli, et puis tu es là, tu dors. Tu t'endors, lui il rit, et il se moque de toi. Et voici une autre chose encore que les chrétiens ignorent. Ils ignorent que nous sommes en guerre. Et quand deux chrétiens se bagarrent, c'est le diable qui gagne. Quand deux églises sont en guerre, deux vraies églises hein, sont en guerre, c'est le diable qui gagne. Quand il y a la division dans l'église, c'est le diable qui gagne. Et les sorciers, les démons, ils rient. Après, ils se moquent de vous. Ils disent, oh, regardez, ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils se bagarrent, eux. On les domine.
Et ils prennent la parole, ils ouvrent la parole et ils disent, les chrétiens ne sont pas bénis. Ils disent, les chrétiens ne sont pas bénis. Mes frères et sœurs, les choses que vous ignorez sur le monde des ténèbres deviennent de plus en plus hors du commun. Nous avons besoin de faire des vidéos. C'est pourquoi les témoins puissent revenir à vous enseigner des choses que vous devez savoir, mes frères et sœurs, des vraies choses. Les sociétés disent que les chrétiens, ce sont des plaisantins. En plus, ils disent que les prophètes, ceux qu'on appelle les prophètes la plupart du temps, là, ils disent que ce sont des chercheurs de femmes. Les sociétés disent que les prophètes, ceux qu'on appelle les pasteurs, prophètes, les prophètes, on appelle les prophètes, eux ils disent que ce sont des chercheurs de femmes. Est-ce que c'est faux? Et puisque ce sont des chercheurs de femmes, nous, ce que nous allons faire, nous allons leur proposer les femmes. Et c'est là une sorcière va porter un accoutrement de femmes maintenant pour venir te séduire. Toi, le prophète. Et gare à toi si tu es tombé dans son piège. Ha! Tu vas voir ce qui va se passer par la suite. Le monde est ténèbres travaille. Et ce que les chrétiens ignorent sur les sorciers aussi, c'est que quand un sorcier qui n'est pas de votre famille travaille pour vous avoir, c'est-à-dire si toi tu es allé dans une entreprise, tu travailles là-bas, tu as été embauché, et quelqu'un est un sorcier, il est fâché contre toi parce que tu es un chrétien, ce qui va se passer, c'est que lui, le sorcier, va venir s'allier à quelqu'un surtout dans ta famille pour que cette personne puisse bien ouvrir la porte afin que lui puisse bien te combattre. Parce que pour pouvoir bien t'atteindre là, il faut qu'il y ait quelqu'un, un représentant du diable, qui soit proche de toi afin qu'il puisse bien l'utiliser contre ta vie. Parce qu'ils ont besoin d'informations. Ils ont besoin de formateurs. Et les chrétiens, ils sont pourchassés. Il n'y a aucun chrétien sur la terre qui a me dit que lui, il n'a pas un ennemi sur son dos. Même les pasteurs que vous voyez à l'église là. Parfois on dit, oh, ce sont des grands hommes de Dieu. Il est grand en fonction des difficultés qu'il rencontre. Ou encore en fonction du nombre d'ennemis qu'il a sur son dos. C'est ça, mes frères et sœurs. Et c'est réel. Et les sorciers se relaient. Le sorcier que vous attaquez le matin, là, ce ne sera plus lui, ce ne sera plus lui qui va vous attaquer la nuit. Ça sera une autre personne. On dit, oh, il est fatigué, envoie une autre personne. Pendant que vous avez combattu le matin dans la prière contre le premier sorcier, le sorcier A, le soir, ça sera le sorcier B qui va venir. Après, ça sera le sorcier C. Ce qu'il cherche à faire, en fait, c'est de vous épuiser physiquement et de vous épuiser spirituellement. C'est pourquoi le chrétien doit être un gars humble, quelqu'un de humble. Il ne doit pas dire que c'est lui qui fait le travail. Il doit plutôt dire, Seigneur Jésus-Christ, fais mon travail. Éternel, mon Dieu, secours-moi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour votre bien. Parce que dans le combat, là, à un moment donné, ça devient chaud. Et si le sorcier ne réussit pas à vous atteindre, ce qui va se passer, c'est que lui-même, ils vont l'atteindre. En fait, ils vont le tuer. Donc, il doit faire un choix. Soit il arrive à vous tuer rapidement, ou lui-même, il meurt à votre place. Est-ce que vous voyez? Les gens peuvent venir en retard à l'église. Mais chez eux, les sorciers là-bas, là, eux, ils ne viennent jamais en retard dans les rencontres. Aujourd'hui, les chrétiens sont trop paresseux. Les chrétiens sont vraiment trop paresseux. Ils ignorent que leur ennemi, le diable et ses agents, eux, ils ne rigolent pas là-bas. Les retards ne sont pas tolérés. Ce n'est pas toléré. Il y a des règles vraiment trop strictes chez eux. Et eux, ils ont fortement besoin de les respecter. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, dis-moi, comparé à toi, à ta vie, j'ai l'impression que toi, tu dors même plus que le vrai chrétien. Tu dors, toi-même, tu dors même. Le chrétien dort, il mange beaucoup, il ne gêne même pas. Parfois, pour pouvoir vous atteindre, il y a certains sorciers qui vont dans les cimetières pour jeûner. Ils prennent des jours de jeûne, 7 jours de jeûne. Ils ne boivent pas de l'eau, ils ne mangent rien.
Ça, ce sont des choses que les chrétiens ignorent. On dit pour bien combattre son ennemi, il faut le découvrir. Est-ce que tu as bien découvert qui est ton ennemi? Parfois, tu ne sais même pas que ton vrai sorcier, c'est ton ami. Celui-là même qui est proche de toi. Même à l'église, il y a des sorciers. Même le pasteur peut être sorcier. Et ça, les chrétiens ne le savent pas. Comment on reconnaît un pasteur sorcier? C'est pas des fous, pas ses fruits. Pas ses fruits. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Dur. Dans ce corps. Prenez soin de vous.